Bonjour à tous. Alors on est encore en sécheresse, malheureusement. On arrive au 20 août. Les dahlias, c'est catastrophique. L'odium, j'avais essayé de traiter, mais rien n'y fait. Les trombolino d'Ablenga, bah, c'est foutu. Ce qui tient bien, c'est les ignas et les cosmos. Et le joli tournesol à David et Linda. Ce qui est marrant, il a changé de couleur. Celui-là, il a dû s'hybrider avec les deux. Les haricots, bah, ça en reste un petit peu. Le maïs, bah, il a été totalement bouffé par les oiseaux. Les aubergines, tant bien que mal, elles arrivent à donner des petits calibres. Après, les carottes, on les sauve avec l'arrosage. Là, on a eu la chance, enfin, si on peut dire ça, d'avoir eu presque 8 mm en tout ici, en 4 fois. Ça permet de faire une petite pause dans l'arrosage, parce que là, ça y est, les réserves commencent à être vides. Là, je sais pas ce qui s'est passé. L'autre jour, il y a eu une bête, soit un chevreuil ou j'en sais rien. Mais ça a défoncé le peu de carottes qu'il y avait. Allez, quand un semis est loupé, il est loupé. Là, les tomates, c'est une catastrophe à ce bout. Il y a 10 pieds où il n'y a rien. Après, les haricots, je sais pas comment ils font. On avait réussi à les sauver. Ils produisent encore avec des arrosages réguliers, soit au pied, soit au feuillage, mais pas en grosse quantité. Des jolis cosmos. Et là, ces tomates ici, là, bon, à part qu'elles ont quelques grillures, mais bon, ça le fait quand même. Et là, je vais vous montrer un joli spectacle quand même. Les petits bourdons. Tu vois, dans les carrés potagers, bon ben là c'est aussi, on a remis de la terre cette année. Ouais. Bon, c'est dans le terreau, il y avait de l'engrais, enfin du fumier, tout ça, de l'engrais quoi. On voit bien les impacts de grêle. Ah oui, la grêle, bah t'as vu, ouais. Ouais, ça avait. Ça limite. Par contre, voilà ce que je te disais, les aubergines Balleroy, là, c'est. Ouais, elles sont belles. C'est une belle variété, à savoir que ça peut s'adapter ici, quoi. Ouais. Bah ouais, c'était. L'année prochaine. Par rapport aux barbantanes, ouais, bah c'est ouais, impressionnant. Ça, ouais. Ouais, regarde. Ça, c'est des regarde. Beaux. Ouais, c'est des hybrides, mais là, il ouais. y en a déjà trois, et puis on en a cueilli pas mal déjà. Ouais. Donc, par contre. Du coup, j'ai mis un voile pour que ça pour l'ombrage un peu, que ça ouais, crame pas. Par contre, je te disais, regarde, c'est bizarre, ouais. Ah ouais. Ça donne des saucisses, comme c'est dit. C'est qu'elles ont dû s'hybrider, alors. Je sais pas ce que l'on fait, mais ça a rien donné. C'est ça, c'est barbantane, ça. Barbantane, ouais. C'est des graines ouais. qui ont dû s'hybrider, ouais, tu vois, ça donne rien. Ouais. Elles doivent pas être mangeables. Oh bah non, ça va rien donner, ouais. Par contre, les poivrons, ça va. Ils ont, ouais. Des poivrons chocolat et puis il y a des poivrons rouges d'Italie aussi. Ah ouais. Ouais. C'est, y a du monde quand même de former. Ouais, il y a du monde, ouais, mais bon, c'est qu'il faut. Et celle-là aussi, là, c'est une. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est bizarre ouais, comme ça. Ça a s'hybrider, je pense, ouais. Parce que là, tu vois, je regarde. Le nom, c'était Balleroy. Ouais. Donc voilà. Mais ça fait là, des jolis. Là, c'était le poivron d'Asti, en fait. Ouais. Et l'autre, j'ai vu que c'est, je sais que c'est des barbantanes, ça donne rien quoi. Là, ouais, c'est que ça s'est mélangé. C'est la première année que ça fait ça. Ouais. Par contre, dis donc, c'est vrai que ceux-là. Des beaux spécimens. Ouais. C'est que ça convient bien ici quoi. Ouais. Ouais. Bah, plus on monte dans le nord, plus on va être dans le sud à force. Ouais, c'est ça. C'est. Après, bon, le terreau était bon cette année. Mais bon. Ouais.
Ça devient de plus en plus compliqué, ouais, de, là-dedans, de maintenir la fraîcheur. Oui, bah voilà, c'est ça, faut arroser tous les deux jours, quoi, et puis... C'est pourtant, il y a de la profondeur, mais... Il y a de la profondeur, mais... Quand t'as pas d'eau, t'as pas d'eau. Et le vent qui sèche, en plus. Le vent, il sèche en permanence, ouais. Ouais. C'est comme si tu plantais dans du terreau, en fait. Hein. Ouais. Donc c'est comme, voilà. Comme si c'était dans un pot, en fait. Ouais, hein. Voilà, exactement, c'est pareil, ouais. Ben, ça permet de manger, hein, les poivrons.